clique et abonne-toi. Salut les amis, c'est Fred de Guitare Facile et au programme de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien le morceau End in My Pocket de Alanis Morissette. Vous allez voir les accords, ils vont être un petit peu bizarres, mais c'est pas obligatoirement compliqué à jouer. Eh bien c'est parti, on y va tout de suite, on va voir ces fameux accords. Pour les accords, on va partir d'un sol qu'on connaît. Alors le sol qu'on connaît, ça va être 3, deuxième case sur le gros mi, deuxième case sur la corde de la, et les deux derniers doigts sur les deux cordes les plus aiguës. Ça c'est le sol qu'on connaît tous. Maintenant, celui qu'on va vouloir, on va enlever notre index, et on va garder le reste, et notre majeur ici doit bloquer la corde de la pour ne pas l'entendre. Donc ça fait 3, X, ça sonne pas, 0, 0, 3, 3. Cet accord s'appelle Sol 5. Il n'a pas de tierce. L'accord suivant est basé sur exactement la même chose, sauf qu'on va récupérer notre index et on va le positionner en première case sur le gros mi. Et attention, on utilise la même technique, c'est-à-dire que le la doit toujours pas sonner. Le troisième accord va être un do suspendu à la seconde. On va reprendre notre majeur et au lieu de le positionner ici sur le gros mi, là on va le positionner sur le la. Donc le gros mi ne doit pas sonner, donc on va utiliser soit le majeur ici pour éviter qu'il sonne, soit le pouce pour éviter qu'il sonne. Et après on va faire troisième case sur la corde de la, on l'a fait sonner, et le ré ne doit encore pas sonner. Donc ça fait le mi ne sonne pas, troisième case ça sonne pas, ça sonne à vide, 3-3. Notre dernier accord, ça va être un sol 5 basse de ré, c'est-à-dire qu'on va garder ces deux-là, et normalement, on commence à gratter au niveau de la corde de ré. Mais on a tendance à des fois bouger un petit peu, à toucher les deux cordes graves, donc on peut aussi les bloquer ici. Mais logiquement, là, on va devoir viser la basse, donc normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je rappelle les accords. On va avoir un sol 5 comme ceci, où la corde de la ne sonne pas. On va avoir un sol 5 basse de fa, comme ceci, où la corde de la ne sonne pas non plus. Ensuite, on va avoir un do suspendu à la seconde, où la corde de mi et la corde de ré ne sonnent pas. Et on va avoir un sol 5 basse de ré, comme ceci. Voilà pour les accords. Ils sont pas si compliqués que ça à jouer. Maintenant, on va faire la rythmique. Alors, notre rythmique va se compter en 8 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et... Sur le 1 et sur le 2, on va jouer la base de l'accord. Donc si je me positionne dans mon sol 5, ça va faire 1 et 2 et. Donc la basse, 1 et 2 et. 1 et 2 et. Ensuite, on va aller jusqu'au 3. On va faire un coup vers le bas. 1 et 2 et 3. 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 Ensuite, on va aller jusqu'au et du 4 et après, on va faire 4 mouvements. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Et après, on va rajouter le 7. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Et on va rajouter le et du 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et 1 et 2. Donc l'idée c'est ça. Je refais lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. C'est la rythmique à choper qu'on va entendre quasiment tout le morceau. Bien sûr, comme pour chaque rythmique, c'est la base. Après, si de temps en temps on gratte des petits cours en plus, c'est pas bien grave. Maintenant, la structure. Pour la structure, on va commencer par faire notre sol durant pas mal de temps pour l'intro. Ensuite, lorsqu'on a le premier couplet, on va faire ce sol 8 fois.
Je vais pas faire les 8 parce que ça va être long. Ensuite, on va arriver sur notre refrain. Le refrain va commencer par un sol 5 basses de fa qu'on va faire une fois. Ensuite, on va faire notre do une fois. Et notre sol deux fois. Ensuite, on va refaire le sol 5 basses de fa. Et ensuite, dans cette mesure, on va avoir deux accords. Donc, on va juste faire ba, ba, gratte, o, et par rapport au do, et après le ré, ba, ba, gratte, o, et après, on refait notre sol. Deux fois. Donc, je refais ce refrain. C'est la structure quasiment de tout le morceau. Maintenant, on va voir les petits trucs en plus. Le premier petit truc en plus, ça va être entre le sol 5 basse de fa et le do suspendu à la seconde. On va faire une montée de basse. Donc, ça veut dire qu'on est sur le fa. On va faire la corde de la vide, la corde de la deuxième case et après, on fait notre do. Refait une dernière fois. Voilà, donc ça va faire une petite montée de basse qui va être bien sympathique. Et ensuite, on va avoir une autre petite variation qui va être au niveau des nombres sol 5. Alors, on est dans cette position-là. Notre index, il est tout relax, il est tranquille. En vérité, on va de temps en temps le mettre en première case sur la corde de si. Alors, la petite difficulté qu'on va avoir, c'est qu'à ce moment-là, il faut enlever notre annulaire. Et on va se retrouver, non pas avec un sol 5, mais avec un sol suspendu à la quarte. Et donc ça va faire ceci. Et donc sur le 7, on va placer cet accord-là, enlever le majeur et jouer l'accord. Et en gros, il faut le jouer quand on le ressent, quand on a envie d'entendre ça dans le morceau. Bien sûr, dans la démo, je vais le faire. Et bien, elle arrive tout de suite. J'espère que tout est clair pour jouer ce morceau. N'hésitez pas à commenter, à partager. Travaillez bien. Ciao, la démo, tout de suite.